Bonjour, c'est Rosemée. Dieu? Mais il est où, Dieu? Dernièrement, je passais dans la rue et j'ai vu un chauffeur de taxi râler contre une vieille dame car celle-ci était en train de se plaindre qu'il était en retard et que, voilà, elle avait attendu pendant 15 minutes avec ses béquilles. Heureusement qu'il faisait beau. Voilà. Mais en tout cas, il n'a pas supporté, d'accord, que cette pauvre dame lui fasse une remarque. Et donc, il a commencé à lui dire, de toute façon, si vous commencez à râler, je ne vous emmène pas. Oh, la pauvre dame. Moi qui passais par là, j'ai vu la scène et je lui ai dit, allez, pitié, monsieur, ramenez-la, arrêtez de râler après elle, c'est pas grave, c'est une vieille femme. Il m'a dit, oui, mais alors? Et je lui ai dit, faites-le tranquillement et Dieu vous bénira. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Dieu? Mais il est où, Dieu? Ma réponse a été, approchez-vous de lui. Car Jacques 4,8 le dit, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. En tout cas, vous ne savez pas à quel point j'ai eu mal pour Dieu. Mais c'est vrai, parfois, on peut se demander, mais il est où, Dieu? Quand on est dans les épreuves et quand on prie beaucoup, quand on récite des prières, quand on se retrouve à pleurer devant Dieu, à l'église, chez soi, et que pourtant on ne trouve pas la paix, quand on se retrouve seul dans cet état lamentable, amer, dans cet état de frustration, à la vie du bonheur des autres qui ont causé peut-être notre douleur, notre peine, alors parfois on se révolte de cette injustice et on envoie Dieu balader. Au diable ce Dieu qui ne m'écoute pas, qui ne s'intéresse à moi. C'est vrai quoi? Il est où Dieu? Écoutons ce que Marc 6, 48, 49 dit. Jésus vit que les apôtres avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Ça, vous le savez tous. Et est-ce que vous avez déjà entendu ce qui est écrit après? Marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Il voulait les dépasser. Quand ils virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Donc, on va s'arrêter d'abord à cette phrase, « Ils voulaient les dépasser. » Est-ce que c'est important? Je pense que oui. Parce que si vous voulez, comment Jésus a-t-il... Comment est-ce que les apôtres ont attiré l'attention de Jésus? C'est parce que les apôtres se sont mis à crier, mais à crier parce que d'abord ils pensaient que c'était un fantôme. Donc deux choses. Jésus n'est pas un fantôme. Deuxième chose, quand on crie assez fort dans la tempête, à tel point que la personne va entendre, Dieu va entendre, il faut crier fort. Alors, il monte dans la barque avec vous et il vous dit, rassure-toi, c'est moi, je suis là. N'aie pas peur. Les apôtres en ont crié à l'aide à ce soi-disant fantôme qui voulait les dépasser. Et vous savez, je me demande ce qui est arrivé à ce chauffeur de taxi plein d'amertume et de tristesse peut-être, qui m'a demandé d'un air blasé, Dieu! Mais il est où Dieu? Alors, je me demande et je vous demande, est-ce qu'il a appelé assez fort, a cru assez fort, a persisté assez fort? Car Dieu, je peux vous assurer, fait toujours un pas vers vous, toujours. Et il entre avec vous dans le même bateau que vous. Il s'approche de vous. Mais si vous ne criez pas assez fort et que vous allez ensuite voir plutôt une personne qu'on pense qu'elle nous écoute, une personne, une amie, un ami, si nous sommes trop occupés à ne plus le voir, à ne plus l'entendre, Dieu ne va pas nous interrompre dans nos activités de ce monde. Souvent aussi, je dis, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, est-ce que vous vous arrêtez pour entendre sa réponse? Alors, demandez, criez, pleurez, tempêtez. Et attendez. Sa réponse, attendez sa paix.
Souvent, dans votre chambre, fermez la porte, priez et pleurez. Et le Seigneur, il vous voit. Dans les évangiles, il y a votre réponse. Dans les psaumes qui sont plus faciles d'accès, il y a votre réponse. Il y aura toujours des audios sur YouTube ou ailleurs qui sont là pour votre réponse, pour vous aider. Si jamais vous n'avez pas le courage de vous pencher dans la lecture de la Bible. Mais sachez que Dieu vous répondra en temps et en son heure à lui. Alors, ne nous lassons pas si rapidement comme des enfants capricieux. Persistons, persistons, criez, demandez à l'aide, demandez au Seigneur d'intervenir, demandez au Seigneur de monter dans la même barque que la vôtre. N'exigeons pas de Dieu qu'il nous réponde de suite. N'exigeons pas de Dieu de faire notre volonté d'homme, ce que nous voulons. Et ne demandons pas non plus ce qui n'est pas conforme à ses commandements. N'est-ce pas? Un Seigneur, ben en fait, va le tuer. Enfin, je dis quelque chose comme ça. Mais non. Mais non. Sixième commandement, tu ne tueras point. Alors, s'il vous plaît, faites confiance. Je sais dans les épreuves que vous passez, c'est très dur. Dans les ténèbres où vous êtes, c'est très dur. Mais il n'y a qu'une seule lumière, c'est la lumière de Dieu qui viendra vous éclairer. N'allez pas embêter vos amis à leur parler pendant 3 heures de vos soucis. De toute façon, ces amis-là, ils vous écoutent, mais ils n'ont pas la réponse de Dieu. Ils ne sont pas aussi puissants que Dieu. Restez dans votre chambre, restez chez vous, allez dans une église. Attendez, priez, Dieu vous voit. Mais ne priez pas à Dieu. Criez, appelez-le. Hurler comme ces apôtres qui ont dû hurler pour se faire entendre dans la tempête qui ferait rage. Discutez fort avec Dieu, déversez tout votre fiel sur lui, en être fatigué, en tomber de sommeil. Et lui dire, tu ne m'écoutes pas encore Seigneur? Tambouriner à la porte de Dieu. J'ai fait un audio sur souffrant, tambouriner à la porte de Dieu. Je vous donnerai le lien dans le commentaire si ça peut vous intéresser. Mais il y a quelque chose que Dieu demande aussi. Nous demande aussi. Et vous savez quoi? Il nous demande de nous repentir. Parce que nous ne marchons pas peut-être assez bien dans les commandements. Donc ne pas marcher assez bien, c'est-à-dire faire quelques péchés qui semblent pourtant pas si importants. Parfois, tout de même, peuvent provoquer des grésillements dans notre communication avec Dieu. Vous savez, comme il y a une coupure d'Internet, il n'y a plus de Wi-Fi, on ne peut plus parler avec Dieu. Voilà. Alors, rallumons cet Internet, rallumons cette communication avec Dieu en nous repentant. Et pire, ce que je vais vous dire, il faut pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Quoi? Mais oui, je sais que c'est très dur, mais tendre l'autre joue que demande Jésus, c'est ça. Pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et vous savez pourquoi? On doit le pardonner. Et vous savez pourquoi c'est facile? Je vais vous le dire. Parce que c'est Dieu qui s'occupera de ces autres-là. Vous savez, je peux vous assurer que Dieu connaît son affaire. Et le jugement lui appartient. Et croyez-moi que son jugement, il est tout puissant. Tout puissant. Plus puissant que n'importe quelle autre personne à qui vous pouvez vous confier, qui vont vous aider momentanément, mais qui vous aideront pas autant que Dieu peut vous aider une fois que vous avez trouvé Dieu et qu'il vous a écouté et qu'il est rentré dans la même barque que vous. Alors, Dieu vous dit, repentez-vous. Et pardonner. Ok. Mais j'ai pas envie de pardonner, moi. Non, il m'a fait trop de mal. Ok, je comprends. Le pardonner, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire à Dieu, je veux lui pardonner, mais comme c'est dur, je te les laisse, je laisse ces gens dans tes mains. Et moi, ce que je vais faire, je vais dire, je bénis un tel et un tel. C'est tout.
C'est pas difficile de dire je bénis un tel et un tel, je bénis mes ennemis. C'est tout. C'est dur, peut-être, mais c'est pas si dur que ça. Et laissez Dieu s'en occuper. Car tout ce que nous devons faire pour que Dieu nous entende mieux, c'est le craindre. Écoutez la définition de l'audio sur la définition de l'audio de crainte que j'ai faite il y a quelques jours, je crois. En un mot, vous savez, craindre Dieu, c'est aimer Dieu. Et peut-être que vous l'aimez mal, peut-être que nous l'aimons mal. Déjà, souvent, on ne veut pas pardonner. Donc ça, c'est qu'on l'aime mal. Parce que c'est un des grands commandements, pardonner à nos ennemis. Essayez, essayez. Je vous dis, dites seulement bénissez-les, Seigneur. Et je te les laisse à ta puissance. Dieu est très... Oui, je sais que Dieu est intransigeant, mais c'est pour notre bien à tous. Sincèrement, craignez-le pour que Dieu vous entende, car il est écrit dans les psaumes, écoutez bien. Dieu accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. Je vais reprendre ce verset qui se trouve dans le psaume 141, 19. Dieu accomplit les désirs de ceux qui les craignent, à savoir aimer Dieu comme il veut que être aimé et non pas comme vous voulez l'aimer parce que ça vous arrange de ne pas écouter ses commandements. D'accord? Dieu accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leur cri, il entend votre cri. Et il les sauve et il va vous sauver, sauver, sauver. Non pas comme vous voudrez m'auriez peut-être sauvé, mais il vous sauvera de la meilleure manière qu'il faut que vous soyez sauvé. Et alors, il est écrit aussi en psaume 31-19, « Oh, combien est grande ta bonté, Dieu !» Ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. Dieu, pour ceux qui craignent Dieu, est le refuge de tout cela. Encore dans le psaume 112, il est écrit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Et vous allez le louer, et si vous le craignez, se lèvera le soleil de la justice, et vous guérirez, oui, vous guérirez au nom du Christ, au nom de Jésus. Il vous promet qu'il va vous guérir, si vous trouvez un grand plaisir à ses commandements. Et vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable, comme les pop-corns des cochons d'Inde, comme les chevreaux qui courent allègrement avec légèreté. Vous aurez déposé votre fardeau. Oui, vous allez déposer votre fardeau. Car vraiment, rien ne manque à ceux qui craignent notre Seigneur. Psaume 34, 9. Dieu a dit en Apocalypse, « Je vomirai les chrétiens tièdes. » À savoir que ce qu'il veut, c'est qu'il veut des chrétiens qui aient vraiment une foi bouillante. Et non pas une petite foi comme ça, oui, bon, on a la foi, on va à l'église, on va prier. C'est pas ça qu'il veut. Il veut vraiment que vous obéissiez. Voilà. Ça vaut vraiment le coup parce que votre vie sera guérie, votre peine sera toujours éliminée par la grâce de Dieu. Et vous serez toujours béni. Voilà. En tout cas, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de Job, qui dans toutes ses nombreuses épreuves et ses souffrances a se gratté avec des tessons de bouteille que lui a fait subir Satan pour supporter, et qui doit supporter la perte de ses biens, de ses enfants. Job ne renie, il râle après Dieu, mais il ne renie jamais son Dieu. D'accord? Donc nous devons faire comme Job, continuer de nous plaindre à Dieu, mais non pas de nous plaindre de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que nous continuions à nous plaindre à lui, à déverser ce que nous avons sur le cœur qu'à notre Dieu.
Laissez nos amis tranquilles. D'accord? Ça leur fera du bien et ça vous fera du bien de ne vous confier qu'à Dieu. Mais ne vous plaignez jamais de Dieu. Alors, il est où ton Dieu? Il est où Dieu? Dieu est là. Dieu est là. Il veut embarquer dans la même galère que vous, mais vous ne criez peut-être pas assez fort. Et n'oubliez pas, il faut, Dieu aime les justes et ceux qui obéissent à ses commandements. Alors, courage! Vous allez vous en sortir, Dieu est là. Criez fort pour qu'il embarque avec vous. Ayez confiance. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.